Eh bien, bonjour! Et surtout, bonjour, Docteur Nintendo, et bonjour, Anto, comment allez-vous? Un Docteur Nintendo sauvage apparaît sur le live, sauvage du WAM. Effectivement. N'empêche, sur un live à l'improviste, l'avantage, c'est que tu n'as pas de retard. C'est bien vrai. Oh, y'a Big Matt qui est là aussi, j'espère que vous allez bien. Sinon, comment allez-vous, monsieur le maire? Monsieur le maire va très bien. Il a hâte d'être à samedi pour de nouvelles aventures sur Minecraft. Bonjour, monsieur Anto, je suis un nain originaire de Rosario. Bonjour, moi je suis le clown de Rio. Nous avons été aperçus ce week-end dans le sud de la France et nous nous sommes fait humilier par un homme de la Réunion avec un chignon sur la tête. Qui sommes-nous? Je pense que je peux répondre, monsieur Anto. Il s'agit de Dimitri Payet avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Eh oui. Eh oui, le WAM connaît bien les chants de l'OM. Et j'espère que Big Matt va bien. Un gros big up à Big Matt, hein. Parce que big up, Big Matt, ça va bien ensemble. J'espère que vous allez bien. J'ai 1h15 devant moi. Nous allons avancer sur Mario Sunshine parce qu'on doit le claquer cette semaine. Cette semaine, Mario Sunshine est terminé, les gars. J'en fais une parole d'homme. Je vais essayer en tout cas. Donc pour ce faire, on va pas commencer à blablater une heure, on va attaquer de suite. Moi ça va très bien pour ma part, je suis en train de faire le repas de ce soir. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger, Docteur Nintendo? Et tu dois me répondre en émoticône, Docteur Nintendo, s'il te plaît. Ne réponds... Oh, Sentenza est là. Sentenza. 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 Non, c'est instant. Mais putain, c'était quoi cette chanson, les gars? C'était quoi? Ça ressemblait à Sentenza, mais c'était pas Sentenza. Je crois que c'était Rosanna. Rosanna. Je crois que c'était ça, la chanson. Incroyable comment elle était mauvais. Comment ils ont été mauvais, j'en reviens pas. Le club broie des carrières, c'est à se demander. Mais bon, enfin. Aujourd'hui, on a un plombier italien à regarder. Mais Anto, je vais te dire la vérité, franchement, j'ai vu un ballon récupéré par Dimitri Payet dans le dos de Messi. Messi, avec une grande fierté, essaye d'aller récupérer le ballon tant bien que mal. Et j'ai vu un ancien gros mitigé, mi-fig, mi-gros, en train de faire bam, double contact, il se retourne et boum, il retourne vers le but de Messi. Je me suis dit, oh la honte! Oh la honte! Toutes les images du monde entier ont filmé ça, bordel de merde, les gars. Un truc de ouf. Incroyable comment il était mauvais. Hello, Sentenza. C'est pas Sentenza, c'est Susanna. Voilà, c'est ça. J'ai dit Rosanna, c'est Susanna. Susanna. Mais dorénavant, ça sera... À chaque fois que tu viens, je chanterai Sentenza. Sentenza, mais faut que je connaisse la phrase après le Susanna pour être bien précis. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que Big Matt fait un bon télétravail. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, ce Big Matt! Oh là 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 là! Merci beaucoup à Big Matt qui a offert un sub à Anto. Je l'ai vu aussi, j'ai bien rigolé, Neymar et Messi bientôt reconvertis en poste chez As. En tout cas, grand merci Big Matt pour le sub envers Anto. Allez, c'est parti les gars, on se lance. On était sur un niveau assez bizarre la dernière fois. C'était lequel? Je crois que c'est... Il me faut la buse, je crois. Hein. Parce que c'était le niveau au-dessus du phare. Allons-y tout de suite.
C'était là, c'est à quelle de buse? C'est celle-là? Oui, c'était celle-là, parfait. On y va, les gars. Si vous êtes prêts à me voir rager, si vous êtes prêts à me voir en train de cracher du feu, comme le dragon Top Toff, c'est ici que ça se passe. C'est trop court. D'accord, très bien, ça commence bien. On va rentabiliser cela maintenant avec un fail. J'ai déjà failé, les gars, l'atterrissage derrière le phare. C'est quoi le podium d'hier? Alors, le podium. Attention, allons-y, on décolle. Est-ce que c'était ce niveau qu'on avait fait la dernière fois avec les sortes de chomp enflammé? Le village Pianta, oui, c'est ça. Il Piantissimo prend de la hauteur, les gars. Ça sent la course à la Usain Bolt. Ah, les couleurs sont meilleures, là, déjà. Tu joues sur quelle console? Je joue sur... Salut, Ori les Kiki. Bienvenue à toi sur cette chaîne, d'abord, Ori les Kiki. Nous jouons sur la Switch, sur la compilation Super Mario 3D All-Star. A savoir que dans le Discord, je vais faire une petite annonce puisque j'ai reçu un nouveau jeu, mais qui ne comptera pas pour le Lotto Wham. Donc je vous le montrerai parce que c'est quand même une pièce assez spéciale. Donc on a le Discord ici. C'est une pièce assez spéciale. Donc je vous la montrerai sur le Discord après ce live. Elle est vraiment spéciale, cette pièce. Et je vous la montrerai parce qu'elle mérite le coup d'être vue et surtout qu'elle ne comptera pas pour l'estimation de la collection qui arrivera bientôt sur Twitch. Donc cette pièce ne comptera pas pour l'équité des estimations que vous avez données. C'est parti. On est parti, attention. C'est bien moi, Piantissimo. Tu vois ce drapeau là-bas? Oh putain de merde. Oh con, déjà sur le plat j'y arrive pas. Sur le plat j'y arrive pas, les gars. Alors imaginez au bout de l'arbre. Allons-y. Je te défie à la course. Mon record est de 30 secondes. Impressionnant, n'est-ce pas? Tu es prêt? Est-ce qu'on va first try, les gars? Est-ce que... On va tenter, les gars. On va tenter une prédiction, les gars. Parce que ça... Ça mérite. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Hein. On va tenter le first try, les gars. Attention, je vais vous demander de voter. Vous avez une minute pour voter. On commence déjà par une prédiction, les gars. Cash. Est-ce qu'on le first try? Wam, je te fais le menu et tu me mets un avant. Pardon, j'ai pas vu, Dr. Nintendo. Alors, en entrée, excuse-moi, Dr. Nintendo, je suis désolé. Je suis passé à côté. Alors, ça me tombe bien, vous avez une minute pour voter. Moi, je vais lire le menu de Dr. Nintendo en émoticône, s'il vous plaît. Alors, en entrée, nous mangeons de la pizza avec des tomates, des oignons et des champignons. Et j'ai plus les émoticônes, donc des anchois du jambon italien et des copeaux de pecorino. Je ne connais même pas le pecorino. Hein. Il va falloir m'expliquer ce que c'est, Dr. Nintendo. Ensuite, en plat, nous avons des spaghettis bolognaises et en dessert, de la glace. Tout fait maison, bien évidemment. Je pense qu'il va se régaler, le Dr. Nintendo. Mais une prédiction pour savoir si on va first try, les gars. Ah, ça a voté quand même. Ouh, 56 contre 50. C'est mitigé. C'est mitigé. Mi figue, mi raisin, les gars. Écoute, pari réussi, Dr. Nintendo, sauf pour les anchois, le jambon italien et les copeaux de pecorino. Mais à la base, je vais te demander uniquement en émoticône. Donc, fallait mettre juste la pizza, de la tomate et j'aurais fait un medley de fou. Allez, c'est parti, messieurs. On va voir si on first try. On va faire ça d'abord. Oui, là j'ai pris de l'avance, là, comme ça. Oh putain, il va vite, ce con. En montée, ça marche pas, bordel. Vite. C'est où l'entrée? Oh putain, lui aussi, il saute comme ça. Vite. Non, ça monte pas comme ça. Non, on peut pas sauter.
Ah, j'aurais dû faire ça. Eh, il va vite, ce con, là. J'ai fait 35-49. Non, c'est lui qui a fait 35-49. Oh, putain, ça va être dur, le first truc, hein. Début de live, premier essai. Je suis pas chaud, on est dans la merde. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord donner le résultat de la prédiction. Et je vais voir qui l'a remporté. Parce que j'avoue que là, choisir la réponse. La réponse était non, pas de first try. Et je vais vous dire qui. Je vais voir qui a bien répondu ou pas bien répondu. 106 pour Anto avec une cote à pratiquement 2. Et qui avait voté non par contre? Ah non, le gagnant c'est non, pardon. C'est Anto, il a voté non. Tu n'as pas cru en WAM, Anto. Tu n'as pas cru au WAM. 87% sans déconner. 47%. Oh, la violence de la réponse du gars. Ça va être dur, le first truc. Je suis sûr que tu peux quand même mieux faire. Le moustachu, je t'attendrai. Bon, c'est un échec. C'est un échec, les gars. C'est un échec. Alors, c'est pas des oignons, ça s'appelle des olives, WAM. Le pecorino, c'est un fromage ressemblant à du parmigiano, mais avec plus de goût. Alors, je ne connais même pas le parmigiano. Alors, autant te dire que là, on est dans le summum du... On est dans le summum du fromage, là. Hein. T'as pas du roquefort, plutôt, Dr. Nintendo? T'as pas du roquefort? Alors, El Piantissimo prend de la hauteur. J'aurais cru au first truc si tu avais ju... Si tu avais joué depuis 20-30 minutes, je crois en toi. Mais là, c'était stratégique comme mon vote. Bon, je comprends bien. On n'était pas chaud. On n'était pas chaud. On n'était pas chaud. On n'était pas chaud. First try, correcteur de merde. Oui, tout à fait. J'avais compris, hein. Je vais arrêter les prédictions et le parmigiano, c'est le bon nom pour le parmesan. Mais on s'en fout, on s'en fout, Dr. Nintendo, c'est 10 points, 10 points les prédictions, tu peux mettre 10 points. 10 points, tu fais 100 points la minute. Alors c'est bien moi, El Piantissimo. À savoir qu'il n'y a pas de classement avec les points de live, hein. Avec les points de live, il n'y a pas de classement. C'est pas comme les points de Whammer. Hein. Donc, c'est fait pour être utilisé. Hein. C'est bien moi, le Piantissimo. Bon, les gars, c'est bon. Je connais l'itinéraire. Attention, je rigole plus, là. Mais il va plus vite que les autres essais, quand même. Hein. Il va beaucoup plus vite. Allez, 30 secondes. Ta gueule. On est parti. Ça commence bien. Je sais pas c'est où le... Je sais pas c'est où le plus rapide. Je crois que c'est plus rapide de monter comme ça. Oh, je suis devant. Je crois que c'est plus rapide de monter comme ça. Ah, mais non! Mais non, j'ai fallu sauter le poteau pour... Putain! Ah non, ça a marché! J'ai eu peur! J'ai eu peur, les gars! J'ai eu peur! Professionnel! Professionnel! Professionnel Gaming! Putain, il y avait une pièce bleue au-dessus, j'avais pas vu. Je vais aller la chercher tout de suite. Mais c'est nickel! 59 soleils, ça fait plaisir. Putain, j'ai eu peur, les gars! J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Professionnel Martine. J'en étais sûr qu'il allait me sortir la commande de Martine. J'aurais jamais dû vous dire le pseudo. S'il vous plaît, venez, je change de un prénom vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-moi changer de nom. C'est pas possible. Mais sans déconner. Sauvetage du maire, les gars. Oh là là. On aurait Lewis sur Silverstone quand il crève au dernier tour à son ingénieur. Is that the last lap? Is that the last lap? Ah ben oui. Effectivement.
Et ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Le sauvetage du maire. Alors attendez. Donc déjà, de base, je n'ai pas... De base, je n'ai pas la... Je n'ai pas la... le jetpack, là. Putain, oh putain, d'accord, faut que je monte tout en haut. Oh putain! Oh, ça va être l'horreur, les gars. Oh my god. Mais comment tu fais? Oh putain, on va galérer, les gars. Attendez, il s'est... faut passer par-dessous ou pas? Ok, d'accord. Faut passer par-dessous. Hamilton a assez gagné de championnat du monde. Place aux autres Verstappen. On va pas être d'accord, monsieur Sentenza. Sache que le WAM apprécie beaucoup Lewis Hamilton. Et n'aime pas trop Verstappen. Sache-le. Oh, putain de merde. Oh, putain. Ça commence bien. Je veux encore Lewis une fois. Il va le gagner l'année prochaine. S'il ne gagne pas cette année, Lewis le gagne l'année prochaine. Honda avec un nouveau moteur, ça ne marchera pas. Et ils ont beaucoup d'avance sur tous les autres. Donc c'est cette année ou jamais pour Red Bull en même temps. C'est cette année ou jamais pour Red Bull. Je pense que je méritais un fail, les gars, pour cette mort. Je pense. Je veux pas vous orienter. Je ne veux pas vous orienter. Et je pense que je méritais un fail. Vraiment. Je ne dirai rien sur Verstappen. Je veux pas perdre mon compte Twitch, vous voyez. Comment tu prononces le nom? Je... Bon, c'est parce que j'ai pas trop osé le dire, mais je pense que... C'est mérité, les gars. C'est mérité. C'est mérité. C'était mérité, le fail. Le fail du Mario et le fail... Et le fail du GIF. Je vais mettre pause pour vous expliquer. Alors, Docteur Nintendo, il a bien entendu. En fait, j'ai voulu rectifier à la dernière seconde, mais Docteur Nintendo a compris. En fait, je l'appelle Verstaped. Voilà, si vous avez compris... si vous avez compris le double sens... Sentenza, moi, Verstappen, je l'appelle Verstappen. Ou Verstappet. Verstappet. J'aime bien Verstappet aussi. Oh, chef Puma a pris un abonnement de niveau 1. C'est son deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, chef Puma. Ça fait plaisir. Deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, chef Puma. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, allons-y. Et bien bonjour à toi, chef Puma. Un resub. Deux mois de sub sur la chaîne de Martine et vive les fails. S'il vous plaît, je vous demande, Docteur Nintendo et chef Puma, est-ce qu'on peut faire un nouvel essai pour le « Donne-moi un prénom vite ». S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais il faut passer par là au moins ou pas? J'ai un doute. Bon, écoutez, on va faire une vue d'ensemble. On va la jouer stratégique. On va faire une vue d'ensemble. On va arrêter de jouer au con. Alors, comment je peux faire? Je n'ai pas la pompe. Ça me remettra le même prénom? Parce que pour un nom de fille, franchement, ça le fait pas. Ce soir, tu jarques. Ce soir, tu jarques. Enfin, monsieur, madame. Bon, les gars, je suis pas plus aidé, là. Hein. En plus, on n'a pas Top Tof. Autant vous dire que les lives se passent mieux quand il y a Top Tof. Hein. Top Top, s'il connaît pas le jeu, il a la soluce. Il a au moins la soluce.
ça te met automatiquement le prénom le plus ressemblant à celui que tu as actuellement. Oh putain, la merde. Alors... Je suis dans la merde, les gars. Est-ce que vous pensez qu'il faut passer sur le côté? Ou est-ce qu'on peut passer sur le côté droit, peut-être? On va voir. Il y en a un qui brûle en enfer, là, les gars. Ah, une pièce bleue. Équivalent à un soleil, puisqu'on a la 10e pièce bleue. Donc, si l'algorithme te donne Martine, il changera pas son programme. Où est Monsieur Solis? Allô, on a besoin. Attendez, attendez. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être, de sauter là-dessous, là? Oh, attendez. Je pense avoir trouvé. Oh, attendez, je pense avoir trouvé. En passant par la rivière. Comment je vais atterrir sur le champignon, là? Vous pouvez m'expliquer? Il y a des ennemis? Peut-être qu'il faut se faire toucher absolument, je sais pas. Ah, ça me renvoie dans l'eau. D'accord, on va se suicider. Du coup, on peut essayer de deviner ton prénom, Wham. The floor is lava. Ça date donc de Mario Sunshine. The floor is lava, c'était pas un niveau de Super Mario 64. Le prénom de Wham, ça fait depuis 2014 que je le cherche. Alors bon... Alors, village Pianta. Ce village Pianta, il commence à me courir sur le haricot, les gars. Il commence à me faire fritiller les poils du huc, si vous voyez ce que je veux dire. T'as un nom à t'appeler Damien. Bon, c'est pas un secret, je garde secret mon nom, mais c'est pas un secret. Là, ce que je vais vous donner, c'est pas un secret, parce que j'en ai rien à foutre, je balance les dos. J'ai un cousin qui s'appelle Damien, mais ce n'est pas moi. Oh, secours, je suis en train de discuter. Putain, non. Les gars, vous me perturbez, là, dans le live. Vous me perturbez. Non, mais c'est bien. Comme ça, on recommence le niveau avec plusieurs vies, là. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Par contre, le problème, c'est que je reviens sur le Port Rico, là. Ça va pas être la... Ça va pas être rigolo, cette histoire. Fail, 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 fail. Bon. Ah, il a tenté la honte. Il a tenté la honte. On a dit une par mois, monsieur docteur Nintendo. La honte, c'est une par mois, pas plus. Parce que la honte, c'est une véritable honte, hein, comme gif. Pas déconner non plus. Par contre, vous avez une Anthony Gaming en stock, si vous voulez, hein. Le cousin qui va débarquer dans le live. Oh, Martine, d'où tu donnes mon prénom comme ça? Alors, le sauvetage du maire. On va bien y arriver à un moment donné. J'ai vu qu'il y avait une buse quelque part. Mais comment faire pour la choper sur le... Regardez, la buse, on la voit, là. La buse, j'ai cru voir la buse. Elle est au pied, là. Elle est là. Le jetpack, il est au pied de monsieur le maire. Comment faire, les gars? Est-ce qu'il faut vraiment passer par-dessous? Est-ce qu'on peut passer par-dessous? Oh, ça va pas être rigolo, cette histoire. Il est pas mort! Il est pas mort! Sur un malentendu, ça aurait pu passer, hein. Ce soir, t'es sur la sellette, chef Puma. Ce soir, les gars, je crois que c'est Claude qui part, hein.
Je vous le dis sincèrement, je crois que c'est Claude qui part, les gars. Mais n'oubliez pas qu'on n'est toujours pas éliminé, hein. Tant qu'on est sur l'île des banniers, ça veut dire que Dr Nintendo n'est toujours pas éliminé de Koh-Lanta, les gars. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Est-ce que c'est par dessous qu'il faut passer ? C'est par dessous, c'est obligé. C'est par dessous, c'est obligé. Tu peux pas. Tu peux pas. Oh, j'ai failli. J'ai presque. Non, mais presque. J'allais pas mourir. Ah oui, c'est vrai, c'est Koh-Lanta ce soir. Oui, mais ça va pas tarder pour le doc. Mais non, Claude, il va à l'orientation. Je suis pas sûr, cet Enza. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr hein, qu'il aille... Oh putain. C'est vraiment pas sûr. Hein. Vraiment pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chercher la solution, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'ai une heure... Il me reste 1h10 de live. On va pas rester 1h30 dessus. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut taper le sauvetage du maire sur Google? Et me dire par où on passe? Parce que j'ai pas le temps de chercher, moi, là. J'ai pas le temps, hein. C'est les rouges où tu rebondis, hein. C'est par les champignons, j'en suis sûr. Hein. C'est par les champignons, c'est sûr. Hein. Là, je peux pas passer par là. Hein. On est d'accord. Et si je lâche là, ça fait quoi? Ah, je peux lâcher! Ok, j'atterris ici. Alors attendez. En parlant de Martine, l'avez-vous gardée sous votre bureau, monsieur le maire, pour qu'elle soit en sécurité et que vous... et que vous soyez gâtée. Ah, pauvre Martine. Pauvre Martine. Pauvre Martine, les gars. Les gars. À mon avis, il y a quelque chose avec le... Ah, putain. Ah, mais il est complexe, là, ce niveau-là. Hein. Saloperie. Est-ce qu'il y a... Il faut faire un double saut, je pense. Ok. Allez. Mmh. Aide-toi des coups de vent sur les champignons. Comment ça? Attends, t'es en train de me dire... Les coups de vent, ils font que me faire tomber. Hein. Ils font que me faire tomber, les coups de vent. Tu es au bon endroit, en tout cas, Wab. Merci, Dr Nintendo. Merci. J'aime bien quand on est sur des indices comme ça. Hein. On est sur des indices. Je suis au bon endroit. Donc, il faut bien passer par la grille. Et ensuite, se laisser tomber sur le champignon. Donc, ok. Ne saute pas dessus. Je ne saute pas dessus. Je ne saute pas sur quoi? Sur... Donc je saute pas dessus, les gars. Très bien. Je ne saute pas dessus.
Anto Super. Anto Super. Pour pouvoir accéder au niveau suivant, il faut terminer celui-ci. C'est le commentaire le plus précis et le plus affûté que je n'ai jamais entendu. Ne me remercie pas, ça fait plaisir, il m'a dit. Ils disent un trou à côté d'un pianta. Je sais même pas ce que c'est un pianta. Alors un pianta, donc c'est là. C'est eux les pianta, je crois. C'est eux les pianta, là. Un trou à côté d'un pianta. On va voir. Je crois que là-bas, le trou que je prenais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de pianta à côté. Alors on va vérifier s'il y a un trou pas loin avec un pianta dessus. Oui, ici. Ici, on va récupérer là. Non, rien récupéré du tout. Là, il y a des pianta à côté. Ils sont en train de faire du ukulélé. Allez, monsieur le maire, faut pas s'inquiéter. Ah ben ouais, faut pas s'inquiéter, ouais. Ouais, mais là, heureusement. C'est un trou au nord du village. Donc, attendez, ici c'est possible déjà. Ici c'est possible, mais je crois que notre chemin va s'arrêter ici. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ici? Oui. Ok, super! Le troll! Il fallait sauter. Donc si tu me dis que c'est un trou au nord du village... C'est un trou au nord du village. Avec un chemin de pièces. Avec un chemin de pièces. Il est compliqué ce niveau quand même. Mais vous avez vu quand même le parallèle qu'il y a avec Super Mario Odyssey ? Le parallèle de l'exploration. Parce que là, on te dit rien du tout. Et il faut absolument que tu trouves par toi-même, en fait. Hein. Donc, on va essayer de voir quand même au nord du village s'il n'y a pas un... S'il n'y a pas un autre trou. On va voir, on va vérifier avec un pianta à côté. Effectivement. Il y a un trou ici avec un pianta seul à côté. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ça devrait te conduire au maire, enfin je crois. Tu peux faire bouger des grilles avec Y. Très bien. Mais si tu restes accroché trop longtemps, la grille risque de céder. Merci de me le dire maintenant, enfoiré. Je suis tombé il y a 10 secondes. Fais attention à toi. Bon, parfait. Merci beaucoup, Docteur Nintendo, pour ce conseil aguerri. Le chemin de pièces est ici. Magnifique. Plus, je crois que c'est le chemin le plus simple, en fait. Oh, attention. On va esquiver. Ça, c'était une feature, ce qu'on pouvait retrouver dans Super Mario 64, déjà à l'époque. Donc là, faut sauter, il faut se raccrocher, du coup. Hein. Je croyais qu'il fallait que je me maintienne moi-même. Les gars, il n'y avait rien à faire. Il y avait juste à sauter et se raccrocher. Et le WAM appuie sur un bouton parce qu'il pense que le jeu est évolué et qu'il demande une action du joueur pour s'accrocher. Je mérite les fails là, les gars. Il est mérité, Anto, il est mérité. Il est mérité, celui-là. Il est mérité. On va faire le gif coup de fouet, là. Je mérite un coup de fouet. Ah oui, clairement. Bon, allez. Cette fois, c'est la bonne. Si vous voulez lancer une prédiction parce que cette fois, c'est la bonne, n'hésite pas. On y va. On y va.
On y va. On y va. On y va, c'est maintenant. On va l'esquiver. Je pense que si je me fais toucher par un mob, c'est la mort. Si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Réfléchissez à ces paroles. Voilà. Il suffisait juste de sauter, bordel. Où est le chemin de Monsieur le Maire? Est-ce que c'est par ici? On peut pas voir ce qu'il y a dessous? Alors attendez. Est-ce que c'est par là? Comment je fais pour monter? Non. À mon avis, il faut se laisser tomber ici. Ensuite, monter là. Ok. Il y a un one-up ici. Elle est pas utile, elle est indispensable sur ta chaîne. Elle est fort utile, cette emote, dis donc. C'est pour ça qu'on l'a créée. Monsieur le maire, portant secours à monsieur le maire. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve l'accès à monsieur le maire. C'est pas là-bas par hasard? Ça serait pas là-bas l'accès à monsieur le maire? Attendez. Ça serait là, je pense, hein. Donc faut grimper ici. Ensuite, tu vas là-bas. Attendez. Je suis en train de voir mon itinéraire. Ici. Monsieur le maire se situerait ici. Là, je pense. Et pour aller là-bas. Comment tu fais? Oh, ça va être complexe, cette histoire. Oh, va être complexe, cette histoire. Il n'y a pas une vie, là? Ah non, la vie, elle est dessus. Ah, c'est peut-être là. C'est là ou c'est pas là? Le maire, il est où? Putain, c'est là-bas. Oh, les enfoirés, j'y ai cru! Mais j'y ai cru! Il faut passer devant le tas de pièces venant des impôts du One World. Effectivement. Allons-y. On va se casser de là. Par contre, c'est fini, là, non? Puisque j'ai bougé là... Je peux plus là. Il me reste plus qu'à mourir en fait. Il me reste plus qu'à mourir, je crois. Attendez, attendez. À quoi ça sert là? Est-ce que c'est possible de sauter là-bas? Pas possible! Je pensais que c'était possible de sauter là. C'est pas comme dans Mario 64, quand tu te fais brûler le cul,
Quand tu te fais brûler le cul, tu repars en arrière, en fait. Et c'est la feinte. C'est la feinte. C'est la feinte. Bon, va falloir y aller, là, les gars. Va falloir y aller. Elle est quand même complexe, c'est un vrai labyrinthe, hein. C'est un vrai labyrinthe. Mais t'es sérieux? Putain! C'est la première fois qu'on commence un niveau comme ça sans le jetpack, hein. Wam, tu étais au bon endroit, c'est juste que tu es nul. T'es sérieux? Mais non! Mais t'es sérieux? Faut que je retourne au même endroit? Mais non! J'étais me suicider! Bon, alors je te fais confiance, docteur Nintendo. Je retourne au même endroit. Je te fais confiance. Docteur Nintendo, je te fais confiance. De toute façon, je crois qu'on peut, on peut aller nulle part ailleurs, de toute façon. Ben oui, on peut aller nulle part ailleurs, je crois. Ah non, si, on peut aller ailleurs. Donc là, j'étais obligé de descendre. D'accord, et ensuite, je monte sur les champignons. Non, c'est peut-être là. Non, là-bas, il n'y a rien. C'est juste pour aller de l'autre côté. Si, j'ai été là-bas tout à l'heure. Oui, il fallait joindre le maire à la surface. Donc, c'est par ce chemin-là. Parce que là, je peux aller ici. Ici, c'est juste pour une vie. On va récupérer la vie. Juste pour... juste pour être sûr de pas faire le trajet retour. Par contre, ça c'est indéniable, la jouabilité est moins bonne. J'ai stressé, les gars. Donc c'est là-bas. Wam, retourne où tu étais et tu sautes de zone en zone jusqu'au maire. D'accord. Je te fais confiance, docteur Nintendo. De zone en zone. Ah mais... attendez. Tu veux dire là? Pour aller jusqu'ici? Ah merde! Mais j'avais pas vu! J'avais pas vu! Putain, ils me font un chemin avec les pièces en plus et je le vois pas! Non mais sans déconner! Ah là, j'aurais mérité le gif de la honte, les gars. J'aurais mérité le gif de la honte. Et là, du coup... déjà, ça, c'est quoi, ça, ici? Bah, une pièce bleue. Je prends. Mais j'ai réussi, docteur Nintendo! Ça peut pas être un gif fail! Comment je fais pour monter, là?
Comment je fais? Ah, comme ça peut-être. Comme ça. Ouais. Faut que je nettoie un petit peu. Vous avez besoin d'une douche, monsieur le maire? Pio, tu m'as sauvé. Merci mille fois. Je le fais uniquement parce que t'es... Mais non, docteur Zito. Mais tu peux pas parler comme ça, docteur Zito. Je t'accepte pas, je suis désolé. Est-ce que à des moments, docteur Nintendo, je te dis que t'es un con? Ou est-ce que je te dis que t'es une merde? Docteur Nintendo, quand même, le langage. Modérateur en plus, si toi tu le fais, n'importe qui vient, il parle comme il veut. C'est ça que tu comprends pas. On va devoir remédier à ton rang de modérateur, docteur Nintendo. Je pense que c'est mieux pour toi. Comme ça, on peut te faire des time-out une fois que tu parles comme ça. Il y a, monsieur docteur Nintendo, un règlement. Oui, tu me l'as déjà dit. Ah bah, faut arrêter. Faut arrêter, monsieur docteur Nintendo, là. Ça fait deux fois en deux lives. Et il faut... La bonne parole est exigée sur ce live. Maintenant, tu peux donner des arguments réducteurs vers une personne sans forcément insulter Dr. Nintendo. C'est là la magie de notre langage. Quand je dis que tu es une piètre personne, je n'insulte personne. Puis-je devenir paparazzi pour saisir ce scandale en direct? Grossier personnage. Merci beaucoup, Setenza. On est d'accord. Non, mais tu m'as dit que j'étais con. Non, je peux dire qu'une situation est con. Mais dire t'es un con comme ça, non, je n'accepte pas. Désolé, monsieur Dr. Nintendo. En tant que modérateur, c'est important. Hein, c'est important, la modération. Parce que le truc, c'est comment tu fais pour supprimer un message sur... Comment tu fais pour supprimer un message? Je sais même pas comment on supprime un message sur Twitch. Là, le message, il reste... C'est bien dommage. Je suis fortement déçu de votre part, monsieur docteur Nintendo. Le bain du chomp déchaîné. Oh putain, on va réfléchir pendant encore une heure. Hein. Le bain du chomp déchaîné. Prends exemple sur mon excellence Wii. Chef Puma est un meilleur modérateur. Oui. Prends exemple sur mon excellence. Tu vois là, sans rien dire de méchant, il t'a rabaissé. Et il a pas été méchant. Elle est là la subtilité. Maintenant, quand tu rigoles et que tu dis ah t'es trop con, docteur Nintendo, ça c'est pas une insulte. Parce que tu en rigoles, tu dis ah t'es trop con, tu vois, c'est trop con ce que t'as fait, tu vois. C'est trop con en rigolant, ça n'a rien à voir. C'est pas la même utilisation du mot. Toi, t'es méchant. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bain du chomp déchaîné. Nous reste 40 minutes. On n'aura pas fait beaucoup de soleil. Hein. Bon, déjà, il n'y a plus de lave. On est bien. Oh putain, le chomp déchaîné. Il est là. Déjà, on va l'asperger un peu de spur. Un peu de spur. Alors, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que ça marche déjà? Ça a l'air de marcher. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il est beau ce chomp. Hein. Il est beau, c'est le plus gros chomp que j'ai jamais vu. Hein. Il est magnifique. Alors. Ben justement, je dirais con parce que t'as fait le con en te suicidant. À côté de... Mais non, ça n'a rien à voir là. Non, chef fumade, non. Docteur Nintendo, non. Non. Il y a une différence entre t'es con et la situation est con.
Bon, bref, on va pas polémiquer pendant une heure, hein, c'est bon. Moi, je passe à autre chose déjà. Comment je fais là? Faut que je réfléchisse, moi. J'ai un jeu à terminer, Docteur Nintendo. J'ai un jeu à terminer. Alors attendez, on peut peut-être continuer à lui de l'asperger d'eau. Je vois que ça fait des dégâts. Moi, je suis un grossier. Moi, je suis grossier comme Docteur Nintendo, mais je me soigne. les gars, action, réflexion. Attendez, il n'y a pas une chaîne qui est brisée? Non. Le bain du Chomp déchaîné. Est-ce qu'il faut l'amener dans la source? La source est là, mais... Ah, ils l'ont asséché, ces amphoros. Ils l'ont asséché, donc il faut l'amener ailleurs. Donc lui, il y a une pancarte. C'est de l'action-réflexion, là, les gars. Ensuite, ici... Alors, ici... Donc, ouais, il y a des pancartes. Ils te disent où l'amener. Hein. La source est ici. Parfait. On a trouvé la source, les gars. Comment le détacher? Comment le détacher? Alors... Comment le détacher? Wamou, c'est quand que tu fais un live à Alan Wake? Ouf! On a deux commandes. On a deux commandes de jeu, là, les gars. Donc, un jeu qui arrive après Sunshine. Et ensuite, après ce jeu-là, donc ce jeu, le jeu qui arrive après Sunshine, seul Docteur Nintendo est au courant. Et ensuite, on a Assassin's Creed 4 Black Flag. Et après, on ne sait pas. Donc Alan Wake aurait peut-être une place. Je dis bien peut-être. Mario, tu as tenté d'utiliser un tonneau plein d'eau. Ah, merci. Ah, mais ça, il faut le dire. Et ça sert à quoi? Le tonneau, il sert à quoi? Je peux pas dévisser? Je peux pas dévisser? Je peux pas dévisser, bordel de... Ah si! Ça y est! Vite, vite! Saloperie! Ah, il choisit le chemin qu'il veut! Il choisit le chemin qu'il veut ou quoi, ce con? Ou alors je peux le déplacer uniquement? C'est ça, je crois que... C'est qu'il n'y a que là que je peux le... Que je peux le déplacer, en fait. Ah, il peut reculer. Mais quand il devient enflammé, je peux rien faire, en fait, c'est ça? C'est ça, quand il devient enflammé, je peux plus le déplacer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un tonneau. Et quand il passe à côté de l'entrée, je lui lance dans la tronche. On va faire ça. Je lui lance dans la tronche. Putain. Oh putain. 6,66€. Merci beaucoup. Pour me faire pardonner, il y avait un tas de centimes chiants qui traînaient. Mais non. Docteur Nintendo, non. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais t'as pas besoin de marquer pour me faire pardonner. Moi, je te donne juste une ligne directrice pour qu'on vive bien ensemble, c'est tout, et tous ensemble. Mais tu prêches la bonne parole. C'est pour ça que les insultes, il arrive, tu vois, il faut faire preuve de subtilité. Vous pouvez vous moquer de moi, je reconnais mon gameplay des fois hasardeux, je dis pas pitoyable, je dis hasardeux. De professionnel gamer, bien sûr, ça va de soi. Mais non, t'as pas, tu me... Ne,
Ne m'envoie pas un don pour te faire pardonner. Envoie-moi un don pour aider la chaîne, pour dire, ouais, c'est avec une blague, tu vois. Mais non, t'avais pas besoin de faire un don pour te faire pardonner. Tu es avec tout ce que tu as fait pour cette chaîne de Dr. Nintendo. Il n'y a pas de Discord du tout. Il n'y a pas aucune. Aucunement. Il y avait des... Voilà. Il y avait un tas de centimes chiants qui traînaient. Ça, c'est de l'humour que j'apprécie. Surtout quand elle va dans le compte aux Bahamas, comme dirait Anto. Ah, merci beaucoup, Dr. Nintendo. Et encore merci à Big Matt tout à l'heure pour son don offert. Merci pour son sub offert. Et merci aussi à Chef Puma pour son deuxième mois d'abonnement. Je plaisante pour le pardonner, ça fait le style, je paye le diable pour le pardon. Vite, là, j'aurais pu l'utiliser, là. C'est possible. Non ! Vous avez vu, putain, les gars ! J'étais bien, là. Bon, je sais où il passe, maintenant, c'est bon. On va y arriver, les gars, ne vous inquiétez pas. Je crois que c'est... C'est le soleil le plus facile à récupérer du jeu... Si je me trompe pas, les Bahamas vous remercient pour votre don. Merci beaucoup, Dr. Nintendo. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Par contre, je m'excuse. Oh putain, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ça passe. Ça passe, les gars. Non. Oui. Professionnel, professionnel, professionnel gaming. Ça, c'est du bien joué. Par contre, je m'excuse de t'avoir fait perdre. Ah non, mais il n'y a personne qui m'a fait perdre. Il n'y a que mon cerveau, mes doigts et la manette qui m'ont fait perdre, Dr. Nintendo. Aucunement. Alors c'est quoi ? Est-ce que le c'est quoi, Sentenza, il voulait dire quoi ? Ton message c'est quoi ? Professional Gaming ! Merci Chef Puma, ça fait plaisir. Et les gars, franchement, vous avez vu ? Là, ça a géré. Non, mais c'est un soleil qui est plutôt simple tout de même. Hein. Pop, 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 pop. Comme je suis tombé dans le... Je prépare, les gars, en ce moment, un petit... Je prépare, franchement, un... Un petit extrait sur YouTube. Vous me direz si c'est professionnel gaming ou pas. Je pense que j'ai trouvé le professionnel gaming 2.0. Et le pire, c'est qu'il est totalement fait exprès. Les secrets du monde de dessous. Oh putain, j'aime pas trop ça, les gars. J'aime pas trop ça. Le secret du monde... Oh, je vois un Yoshi. Ça, c'était un indice. Le secret du monde de dessous. Donc, pour y aller au plus simple, on va faire quoi pour le monde de dessous ? Putain, j'aime pas quand c'est la nuit ici. Bon, il veut une poire, lui. Il veut une poire. Je vois pas de poire dans le coin. Est-ce qu'il y a une poire quelque part ? Il y a une vie, il y a deux vies, il y a trois vies. Il n'y a pas de poire. Très bien. On va voir ça. Mais le jeu que tu vas liver, mais c'est un secret. Le jeu dont seul Dr. Nintendo est au courant, c'est un secret, c'est une commande. Vous saurez. Alors, j'annonce Black Flag parce que ça fait... Ben déjà, c'est le premier jeu en live de la chaîne Jeux de WAM, donc c'est vraiment un live spécial. Et c'est une demande de Big Matt. Mais il m'a fait la demande en live, donc il n'y a pas de secret. Mais avec Dr. Nintendo, ça s'est passé en message privé sur Discord. Donc, on garde la confidentialité. Confidentialité, messieurs. Oh putain, oh putain, oh putain. Yoshi qui a besoin d'un lavement pour son rendez-vous avec Bowser. German Googles, il faudrait un gif sur ces gentilles madames. Mais écoute, comme tu as ton propre gif,
Tu peux, je vous l'ai dit les gars, votre gif personnalisé, c'est vous qui le choisissez, hein. C'est toi qui a choisi le Sephiroth, qui a voulu un Sephiroth. Donc vous m'envoyez un gif qui est correct et qui passe sans aucun problème de restriction sur Twitch ou YouTube. Et je le change. Et je le change, bien entendu. Donc, si tu veux un GIF German Girls, tu peux m'envoyer un GIF et je le change, comme j'ai fait pour Nolan il n'y a pas longtemps. Ok. Alors. Alors, les gars, vous allez rire, mais je sais même plus ce que je dois faire. Oui, c'est le secret du monde d'en dessous. Le secret du monde d'en dessous. Déjà, je vais récupérer la vie. Parce qu'il faut pas déconner. Ensuite, il me faut un fruit, je crois. Le secret du monde d'en dessous. Le secret du monde d'en dessous. Il faut venir avec Yoshi. Je crois que j'ai pas le choix. Il faut venir à Kyoshi parce que ce truc-là, il se nettoie avec Yoshi. Et c'est peut-être un passage secret. Au pire, on dit que c'est du glaçage pour éclair. Ça ressemble, mais ça dépend de ce qu'on verra. Si on voit que du glaçage pour éclair, ça passe. Mais si tu vois une femme un peu dénudée, on comprendra tout de suite. Et ça, c'est interdit. Hein. Ça va être compliqué de montrer ça sans restriction de Twitch et YouTube. C'est presque un défi de le faire. Oui, effectivement. C'est un défi que tu peux relever. Hein. Yoshi a besoin d'un lavement. C'est bon, j'ai tout lu. On est bien. Alors, par contre, là, le secret du monde d'en dessous... Excusez-moi, mais... Le secret, ça va être compliqué, là. Hein. Alors, il n'y a pas le fruit en bas, déjà. Il n'y a pas le fruit en bas, déjà. Il n'y a pas le fruit en bas. Il n'y a pas le fruit en bas. À mon avis, ça se passe avec Yoshi et on doit aller dans ce trou-là. Je pense. Comment tu peux aller récupérer cette vie-là? C'est comme ça qu'on la récupère? Je pense que c'est comme ça. Hop, et tu reviens, et tu reviens. Ah, ça va être juste... Non, ça passe pas! Oh, c'est passé juste! Bon. Faut que je trouve la poire en haut maintenant. Pas le choix. Je pense que j'ai découvert le secret. Hein. Il me faut une poire. Il y a bien quelqu'un qui a une poire dans le coin. Bande de poires. Est-ce qu'ils ont le nez? Oui. Oui, le nez ressemble à une poire, messieurs, ça peut le faire. Alors... Où je vais trouver une poire, moi, là? Il vend pas des fruits, lui? Là-bas, c'est bon. J'ai trouvé. On a trouvé les fruits. Alors, il y a la poire, il y a bien la poire. Parfait. C'est une poire, ça, hein, si je me trompe pas. Je pense qu'on est bon, les gars. Je pense qu'on est bon.
Allez, on va tenter d'y aller avec Yoshi maintenant. Ok, parfait. Alors par contre, comment je vais descendre? Ça passe comme ça? Mais putain de merde! Bon, on a compris au moins. On a au moins compris. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on peut effacer les messages comme ça sur Twitch? Parce que c'est très simple sur YouTube. Si j'en sélectionne un, je fais quoi? Si je fais supprimer, non. Attendez, il y a un truc spécial. Ben, les jeux que tu as live. Supprimer? Si je fais supprimer avec l'écran? Non, ça marche pas. Est-ce que vous savez, les gars, comment on supprime un message Twitch? Ça, c'est important aussi. Si tu veux pas faire de timeout, tu veux juste supprimer un spoil. Ben moi, avec l'affichage modo, tu peux appuyer directement sur la poubelle à gauche du message. D'accord. Moi, je n'ai pas de poubelle, les gars. Modérateur, fondateur et gifter leader. Chef Puma, il est champion du monde des émoticônes, Chef Puma. Il est leader one. Leader one des gifters et membre fondateur. Alors là, et en plus modérateur. Hein. Oh là là, c'est le carton plein pour Chef Puma. Le numéro 1 est le cadeau en gold. Avec le numéro 1, bien sûr. Alors là... Oh putain, maintenant, il veut un ananas. Très bien. Allez, l'ananas, maintenant, c'est parti. Bon, l'avantage, c'est qu'on sait où c'est. À la limite, je peux même utiliser la... Donc, c'est ici. J'aurais pas eu besoin d'aide. On a dit... Oh putain, mais pourquoi il rebondit, là? Alors, on a dit l'ananas. On a dit l'ananas. Parfait. Je pense pas que t'as dû activer l'option. Mais moi, avec l'affichage, tu peux appuyer, d'accord. Non, mais attendez, on va aller dans les options. Option du paramètre chat. Aspect de chat. Je peux mettre un aspect? Sérieux? D'accord, ça c'est pour la police, très bien. Couleur lisible, émoticône animé, oui. Rodatage, réponse de chat développée, très bien. Ensuite, on a quoi? Chat en pause, défilement uniquement. Icône de modération, d'accord. Oui, c'est bon, j'ai l'icône de modération. Ça y est, merci beaucoup, Chef Puma. Quitter les paramètres. Donc si je fais un test avec un message... Si je fais un test avec un message du vilain Dr Nintendo... Non, je plaisante bien sûr. Je vais bientôt pouvoir en commander un prochain. C'est pas faux. Supprimer le message. Oui, c'est bon, ça marche. Désolé, Chef Puma. Désolé, Dr Nintendo, j'ai effacé un message t'appartenant. Et je peux même l'afficher si je veux pour voir ce que c'était. Ah ben c'est bon. Parfait, merci beaucoup, Chef Puma, merci beaucoup. Alors, je ramène l'ananas à Yoshi. Allez, il nous reste 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure grand max. Ça serait bien de choper au moins celle-là parce que je pense que c'est un niveau secret qui nous attend là. Hein. Je pense que c'est un niveau secret qui nous attend. Alors c'est quoi le mieux pour sauter et être sûr? Ouais, par là c'est pas mal en fait. Ok. C'est là que je suis mort tout à l'heure. Très bien. Ok.
Ok. Ok. Ok, c'est faisable. En plus, il y a une vie juste avant, c'est magnifique. Alors, comment ça marche? Bah, il vomit. Bah, je crois qu'on a trouvé, les gars. Et là, j'en étais sûr niveau bonus. Après, je peux pas effacer les messages des autres modos, moi. Je peux effacer tout le monde, moi. Je peux effacer tout le monde. Bon, qu'est-ce que c'est que ce niveau-là? Alors, c'est quoi? Yo, je suis un lanceur. Oh putain! Tu ferais bien de faire attention quand tu parles à des piantas. Aussi costaud que moi, certains vont te lancer en avant, mais beaucoup d'autres vont te lancer en arrière. Oh putain! Va falloir trouver le chemin en fait, hein. Quand il s'agit de balancer les gens, tu peux compter sur moi. Il était bon pour la Seconde Guerre mondiale, lui, je pense. Balancer des gens. Il peut pas me lancer, lui? Ça marche, parfait. Oh putain! Un choix cornélien, les gars. Le petit ou le gros? Oh putain, les gars. Il vaut mieux le faire de ce côté, non? Mais après, si c'est trop court... Vaut mieux... Je pense que c'est le petit, là. Hein. Quoi? Oh, faut choisir... Oh, mais quelle enfance! Il faut même choisir la distance. Oh, les enfoirés... Oh, ce niveau de chacal! Faut même choisir la distance, alors. Bon. Ah, mais ils m'en vont même pas droit. Alors, attends. Donc, tout à l'heure, je pense qu'il faut le faire là, à peu près. Ici. À cette distance-là, je pense que ça passe. Peut-être à cette distance-là, ça devrait passer, normalement. Ouh, je sens que tu vas bien t'amuser. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon, là, je pense. On va voir. Oh, c'était trop court, mais de rien, en plus. Et il y avait le rebord qui pouvait m'arrêter. Putain. Alors là, on va s'énerver, là. On va s'énerver, les gars. Y a pas une vie quelque part? Qu'est-ce qu'il y a en haut là? C'est pour une pièce? Putain. Ok. Donc là, il faut faire un peu avant. En fait, est-ce que ça marche si je fais ça là? Mais putain! Il faut que je sois à peu près ici, je pense. Mais est-ce que la direction que je prends, elle peut m'orienter? Là, c'est pas bon du tout, là. Ah ouais, non, mais c'est ça. Oh, c'est la direction que je prends qui me... Ah ouais, d'accord, c'est bon. Bon, en tout cas, c'était pas la dernière vie. Mais je pense qu'on est pas loin de notre dernière vie, là, hein. Ah, fallait faire une prédiction first try, là. Ah, elle est là, la vie! Elle est là, mais comment je la chope? Comme ça, peut-être, non? Faut que je me mette dans l'axe, non? Non, ça ne marche pas. Est-ce que c'est comme ça? C'est pas comme ça qu'on la chope? Pourquoi elle fait un grand saut des fois? Mais c'est impossible!
Comment tu fais pour la choper cette vie? Bon, écoutez, j'abandonne. J'abandonne. Donc il y a bien l'axe qui est pris en compte, hein. L'axe est bien pris en compte. Tiens, combien il me reste une vie? Bon, ça va. Il me reste une vie. Et là, je pense qu'il faut que je me mette un peu dans l'axe comme ça. Voilà, ça devrait le faire, là. Là, on est bon, là. Parfait. Lui, il va me lever en l'air. Ah, il se déplace en plus. Comment ça marche en haut, là? Ouais, d'accord. Non! Oh non! Non! Ouf. Oh, bien! Des pièces? Oh putain, ça pompe indéfiniment. Ça pompe indéfiniment, on se casse. Oh là là, mais j'avais pas vu le niveau aussi grand, n'empêche. Alors, à droite ou à gauche? Est-ce que, d'après vous, c'est un coup d'esbrouf? Est-ce qu'il est capable de me lancer assez fort pour là-bas ou est-ce qu'il faut aller absolument à droite? Quel est l'intérêt d'aller à droite? Quel est l'intérêt d'aller à droite? À gauche, me dit Sentenza. À gauche. Quel est l'intérêt d'aller à droite? On est pas mal en plus, on y est là, hein. Oh, il est juste là, le soleil, les gars, il est juste là. Hein. Oh putain. Il est juste là. Hein. Attendez, je vais me mettre dans l'axe de la rainure, ça devrait le faire. Et je vais lui parler pile quand il est au milieu. Là, maintenant. Ouh là là. Ouh, professionnel. 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 Professionnel gaming. Oh putain. Oh, ça c'est du bien joué. Ça c'est du bien joué, les gars. On est pas mal. On est pas mal. Peut-être pour récupérer une vie, Sentenza, effectivement. On va voir. On va terminer le village Pienta. Et je peux vous assurer qu'une fois que j'aurai terminé le village Pienta, ça sera une grosse épine retirée du pied. Parce que j'apprécie pas trop ce niveau. Les 10 Pienta en danger. Très bien. Épisode 6. Donc ça veut dire qu'il reste 3 soleils ici. Les 10 Pienta... Les 10 Pienta en danger. Ça veut dire quoi? Si c'est juste éteindre la lave, moi ça me va. Il n'y a aucun problème. Oh, c'est chronométré, les gars. Je m'absente un peu et voilà le résultat. J'y crois pas. Certains villageois sont bloqués par la lave. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé. Mais il semble que je vais encore avoir besoin de ton aide. 10 villageois sont bloqués dans le magma, dépêche-toi. Go, c'est parti. On se dépêche. C'est ça, il faut que je le lave en plus ou pas? Oui, il faut que je les lave en plus. Parfait, ça fait 3. Magnifique, ici, il y en a un, magnifique. Ça
ça fait 4. Magnifique. Ça fait 5. Extraordinaire. Ensuite, ici. Un peu, elle va être... Je veux pas parler trop vite, mais elle peut être, il peut être easy, ce soleil. Hein. Il y a vraiment un niveau... C'est vraiment... Il y a un niveau inégal, je trouve, pour les soleils obtenus. Allez. Pas encore. Parfait. 7. Ça fait 7. Ici, le 8e. Allez. Allez. Parfait. Ensuite... 8. Il me reste 1 minute 39. Il doit être en hauteur, les autres, c'est sûr. Il n'y en a pas en hauteur. Il y en a un en hauteur, c'est sûr. Non ? Pourquoi ils regardent tous en l'air, c'est con ? Une minute 16. Ici, il y en a un. Parfait, une minute pour le dernier. Une minute pour le dernier. Le dernier doit être en hauteur, c'est sûr. Où est le dernier? Oh là là, je suis en train de stresser là. J'arrive pas, à faire le demi-tour, mais putain. Le dernier, il est où? Je pense que pour le prochain essai, je vais chercher le dernier direct. Hein. Parce que je sais que les autres sont tous en bas. Il est où le dernier? Oh, je vais chercher le dernier. Hein. Je vais chercher le dernier. Directement, puisqu'on est à 9, tous les autres sont en bas. On va voir ça. On va voir ça. Bon, ça va être easy, je pense. Il suffit de là, j'ai plus qu'à trouver le dernier. On est bon, là. On est bon. En plus, je crois que tu perds même... Ah si, tu perds une vie. Tu perds une vie quand tu les trouves pas tous, là. Et Deep Yantan en danger, allez. On va chercher le 10e tout de suite. Hein. Il faut que je... J'avais mis... À 1 minute 30, j'étais à 9 pratiquement. Alors, est-ce qu'il est pas là, le dernier, par hasard? Non, il est pas là. Il doit être bien caché, n'empêche, parce que j'ai fait toute la zone au sol, en tout cas. Il doit être au milieu de l'arbre, c'est sûr. Ou alors il est caché ici. Hein. C'est possible. Hein. On sait jamais. Hein. Avec Nintendo, faut se méfier. Non, c'est pas là. Est-ce qu'il serait en haut du palmier? Est-ce qu'il serait en haut du palmier par hasard? C'est possible, hein? Où est ce 10e là?
Dis pas qu'il est tout en haut, c'est pas possible. Il est pas tout en haut. Est-ce que j'y avais été là? Attendez, je crois que j'ai trouvé. Est-ce que c'était là? Non, c'est pas là. Oh putain, c'était là. Oh putain, j'avais pas fait lui. Ok, on va quitter, sortir de la zone. Je pense que je l'ai trouvé, les gars. Je pense que je l'ai trouvé. Et ça sera le dernier soleil de ce live, j'annonce. Ça sera le dernier soleil de ce live. On est parti. Avant le game over, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, les gars. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, les gars. Après, c'est le game over, de toute façon. Et c'est la fin du live. C'est parti. Est-ce que vous voulez balancer une petite prédiction? Comme vous voulez. Une petite prédiction ou pas? Par contre, le jeu sent que tu vas bien t'amuser, chef Puma. Finalement, je me suis bien débrouillé pour le niveau bonus. Je tiens à le dire. Quand c'est nul, je le dis. Mais quand c'est bien, je le dis. Aussi. Pas de prédiction, on y va. Allez. C'est maintenant ou jamais. On a dit maintenant ou jamais. Parfait. Ici, il y en a deux. Parfait. Ensuite, ici. Parfait. Le suivant, il y en avait un ici aussi. Qu'on fasse pas trop de chemin. Deux minutes 13. Pff, normalement, ça passe à l'aise. J'avais deux minutes d'avance tout à l'heure, quoi. Deux minutes d'avance. À 1:16, il en restait plus qu'un à nettoyer. Parfait. Ici, il y en a un aussi. Parfait. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. 1 minute 30. On est à la moitié du temps, on est à 8. Ok, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien ici. Le 9e ici. On devrait le faire. Parfait. On va redescendre là. Il était pas là? Vous êtes sérieux? Je l'ai fait? Et je l'avais fait ou pas? En fait, je l'avais fait celui-là. Non, mais c'est sérieux là? Derrière toi? Comment ça derrière toi?
Verrou, 28 secondes. Oh putain, il était où? Je suis passé à côté. À quel endroit? Ici. Oh là. Oh, j'ai failli foirer le coup, les gars. Merci beaucoup, Saint-Enza. Qu'il faut que je retourne voir. Faut que je retourne voir le maire, je crois. À droite. Merci beaucoup, Saint-Enza, on a réussi. Saint-Enza. L'artiste en ma vie. Bien, une pièce bleue. Magnifique. Cet Enza. Merci pour GG Anto, ça fait plaisir. Nous te sommes très reconnaissants, voilà ta récompense. Professionnel gaming. Ah putain, j'ai raté le son en plus. Voilà. Bien joué, les gars. Motivé. Formation 4-4-2. Allez, on va les ramener. On va les récupérer la pièce bleue aussi. On va plutôt récupérer le soleil de la pièce... des pièces bleues. Et nous sommes à 61 ou 62 de soleil. Je ne sais pas. Alors, c'était là-bas qu'il fallait aller. Ouf, je suis tombé. Alors... On dirait Tom Nook, je trouve. Bon, après, c'est normal, c'est le même animal. Et ça fait 64, les gars. Bon, ensuite, les niveaux, faut aller où, là? J'ai encore 3 minutes. Le niveau suivant, ça serait quoi? La place Delfino, ça serait... Qu'est-ce qu'il me propose à la place Delfino? On va voir ça, au moins pour se teaser le prochain live. Parce que là, épisode 8, j'ai tout, hein. Sur la Benoki, j'ai tout. Et après, une étoile secrète... L'étoile secrète, je sais pas, franchement. Une étoile secrète ici. Ah ouais, mais là, il me file le scaphandre. Il y a une petite pièce bleue là-bas, on va la récupérer, histoire de qu'on n'est pas venu pour rien. Bon, on n'est pas venu pour rien. Parfait. Alors là, l'étoile secrète ici... Le soleil secret ici... Oh là là, texture ici, franchement, hideux. Attendez, on a pété le game, là. Comment ça se fait qu'il y a un truc secret ici, là? Ah, un mur invisible. J'ai cru voir un mur invisible. Bizarre, on arrive sur une plage, là, ou pas? Ouais, mur invisible. Ah ouais, je suis carrément renvoyé en arrière. Oui, là, la texture, j'avoue que... Tu sens que c'est pas une texture qui avait envie d'être travaillée par le Big N, hein. Vous avez pas envie, hein.
Mais là, le soleil se crée, franchement. Attendez, attendez, il y a un passage ici, là. Faut bien prendre au milieu. Attendez, cette tuyauterie là, je l'ai jamais prise. D'accord, tu arrives ici. Et ensuite, ici. Tuyauterie aussi ? Non, ça. Oh, oui le... Attendez, il y avait un. Il y a un. Comment ça s'appelle ? Il y a. Ça, c'est un soleil, les gars. On a cassé le game. On a cassé le game. Professionnel gaming. Oh là là, je pars serein là. 66 soleils. 65 soleils. Et 5 soleils avant la fin du jeu, c'est très bien. Alors là, GG les gars. Et il y a toujours des... Il y a toujours un soleil secret sur la place Delfino, apparemment. Mais ça, on le verra lors du prochain live. Un grand merci, Saint-Enza. Un grand merci, Anto. Un grand merci, Chef Puma. Un grand merci, Docteur Nintendo. Merci, Chef Puma, pour le resub. Merci, Big Matt, pour le sub offert. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Docteur Nintendo pour la donation du diable 666. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour ce live sauvage d'après-midi. Bon, c'est calculé les gars, parce que j'avais une petite disponibilité, c'est les vacances. Je me suis dit, s'il y en a qui sont pas à l'école ou qui sont pas au travail, peut-être que ça peut rejoindre plus facilement. Un grand merci à vous de votre présence. On se donne rendez-vous ce soir pour Koh-Lanta en direct dans le Discord. Les liens, vous pourrez les trouver, pas ici en tout cas, parce que c'est pas encore bien géré Twitch. Mais on a un Discord, vous pouvez rejoindre quand vous voulez. Et un grand merci à vous, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway. Et n'oubliez pas, j'envoie une petite photo. Oh là là, l'alarme sonne. On est au timing prêt. Au timing. Le timing prêt, j'avais prévu l'alarme, les gars. Ciao. Et à ce soir pour Koh-Lanta.